Alors, nous continuons avec nos leçons. Avant, nous procédons au troisième cas, c'est-à-dire une pair of simultaneous equations en général. Et dans notre exemple que nous venons de donner, on a minus 6x minus 3y is equal to minus 3, minus 2x plus 2y is equal to minus 10. Alors, ça aussi, nous sommes pareil. Ici, nous trouvons, on a 6. Nous en avons 2. Donc si nous multiplions 2x par 3, nous pouvons gagner 6x. Là, nous éliminons x. Alors, si nous gagnons ici, ça veut dire minus 6x minus 3y is equal to minus 3. Minus 6x plus 6y is equal to minus 30. Ça, c'est la première équation. Quand nous faisons multiplier x par 3, et oui, nous multiplions par 3, ça veut dire moins 2x par 3, c'est moins 6x. Plus 2y par 3, c'est 6y. Moins 10 par 3, c'est moins 30. Donc, nous faisons une nouvelle équation. Nous prenons cette première équation qui est là. Nous faisons reproduire en bas ici. Moins 6x moins 3y égale moins 3. Après ça, nous continuons à solver. Comment nous faisons montrer les escalaires? Alors, tout le monde instruction là, tout le monde note. Maintenant, nous avons une colonne, nous suivons nos mêmes colonnes. Finalement, nous pouvons avoir les x, nous pouvons avoir les y avant, retirer 3, nous pouvons avoir les x égale 2. Alors, ça, l'exemple là, je vais le après ça, je vais essayer de faire l'hypothèse. Je prends ce work example là, je suis capable de prendre juste mon équation là et essayer de faire un numéro là pour zut. Là, comme final, je donne un numéro que je suis capable de faire pour zut même. Alors, ça, ni là. Je vais essayer de faire un numéro là. Donc ici, je prends ce procédure, tout le montrer. Je vais essayer de faire du même avant. Par contre, ici, je vais faire du même.